Bonjour tout le monde. Bon, alors je vais faire ma deuxième vidéo parce que la première elle a un peu raté. Donc en fait, j'avais mis Audacity en même temps que de mettre Hypercam et au début je savais pas qu'Hypercam ça enregistrait le son. Donc ben je vais faire qu'un seul son, donc le son va sortir d'Hypercam. Bon, il est un peu mauvais mais bon, voilà. Donc aujourd'hui ben je vais faire comme la majorité du monde a fait sur YouTube, faire des petits épisodes de Minecraft. Donc le nom du monde c'est Neoul, donc c'est un peu mon petit village. Donc je commence. Donc je demande où je vais être. D'habitude je suis toujours dans la neige. Là on va voir. Ah ben je me retrouve dans la neige. Bon. Alors ça a l'air pas mal. Bon, c'est un peu bizarre, c'est que on a du sable à côté de la neige. Bon. C'est un peu paradoxal, mais bon, c'est un peu coupé du bois. En même temps, comme ça, ceux qui ne savent pas comment faire une table de crafting, ben, vous le savez maintenant. Faire comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Et j'ai gagné au fait. Donc maintenant, je vais couper encore un peu de bois parce que c'est bien d'avoir un peu de bois sur nous de temps en temps. Voilà. Là, je vais aller jusqu'en haut, si je peux. Ma maison pas loin d'ici, ça a l'air d'être un bon endroit. Alors je vais voir un petit truc avant. Est-ce que le mode facile est là? Ouais, c'est le mode facile. Non, ça va être trop facile si je mets en mode paisible. Bon, alors maintenant je vais me faire une maison, je ne sais pas où. Ah, un chien. Faut un os pour dompter les chiens. Ah, ça c'est bien ça pour faire des livres. Les cactus, ça c'est pratique, ça pousse tout seul. Ça en met toujours devant chez moi. Ah, encore d'autres là-bas. Ah, ça fait une bonne partie. Alors, voilà. Je crois qu'il y en a une qui est tombée en bas. Ah non. J'essaie d'habiter à côté d'une montagne, comme ça au moins il y aura du charbon pas loin. Alors, putain, par contre il n'y a que du sable, c'est un peu chiant. Je vais essayer d'aller vers la neige. C'est bien connu, dans la neige il y a souvent des montagnes. Alors, ici il n'y a pas grand chose. Là, je me demande où je vais. Là je vous dis, je sais pas du tout où je vais aussi. Ah merde, c'est vrai que j'ai de la nourriture et que j'ai pas de nourriture. Ah, une petite montagne. Bon, elle est pas géante, hein, mais bon. Bon, elle est toute petite. Tiens, là-bas, il y a plein de montagnes, là. Tout plein de montagnes. Ah, du charbon qui est là-bas. Ah, c'est super, le charbon. Ah, en plus, là, ça va être un beau petit truc, là. Et putain. Bon. Alors, je vais mettre ma table de crafting ici, je vais me faire une pioche. Tiens, je fais une de passer. Voilà, une pioche, c'est comme ça. Ça marche avec de la pierre, du fer, de l'or et du diamant. Dans les prochaines mises à jour, j'en aurai plus. Après, faut tout de suite faire une porte, hein, sinon après vous êtes un peu dans la merde. J'ai cru entendre une vache. Un peu lent, hein.
sinon c'est une pioche sans bois. Normalement c'est même pas sans. Dans la vraie vie c'est même pas sans. C'est qu'elle était quelque chose. Comment ça faire maintenant? Ma maison elle ne se fait pas de stecker, c'est ça qui est bien. Pour ceux qui savent pas, pour respawner chez eux sans quitter leur endroit et se perdre plus jamais, la nuit on dort dans le lit et après on respawn toujours à côté. Enfin moi je me le fais tout le temps. Ma souris a fait un peu de bruit, c'est normal. Alors j'hésite de quel côté je vais la mettre, comme ça ou oh, je la mets là. Voilà. Non, sinon on peut la mettre aussi sur ça. Mais bon, c'est pas trop. C'est mieux plus c'est proche de la sortie. Ah bah je vais me faire une épée. Ah oui, c'est vrai que je vais prendre du charbon. Charbon, c'est pratique le charbon. Quand vous trouvez un morceau de charbon, c'est à dire qu'il y a de l'argent pas loin. Enfin, vous cherchez, mais voilà, plus très loin. Donc je vais pas tout prendre, sinon je vais plus rien avoir. Alors là, je vais faire du feu, du torche, voilà. Non, quand il va faire nuit, je vais voir que dalle. Je suis con, j'aurais dû prendre du sable pour faire des vitres. Et voilà. Donc je vais voir s'il y a pas du sable pas loin. Attends, déjà je voulais faire une épée déjà, c'est vrai. Pour faire une épée c'est simple. On va faire ça, ça, et voilà. Mais je vais pas la faire en bois. Quoi que si je dois aller en haut, faites à gagner. Ah, vous faites gagner. Voilà, donc maintenant je ramène. Voilà. Merde, j'ai gouré de boutons. Ça c'est con, ça par contre je me trompe. Voilà. En plus de gagner en fait. Donc voilà, je vais essayer de tuer des vaches. Youhou. Ah c'est vrai que c'est pas la version Xbox où tu gagnes des 4 points. Ça qui est bien. Ouais, de manger de viande. Les vaches, c'est plus important que les cochons. Bon, c'est bien d'avoir des cochons, hein, mais... Ce serait bien que je trouve du cuir, par contre. Pour faire des vêtements, ça serait pratique. Ouais. Du cuir. Ouais, encore du cuir. Un squelette ? Oh putain. Ouais, je l'ai vu. Des moutons pour faire une chambre. Alors sur Xbox, quand on les tape, on gagne tout de suite la laine. Là non. Je vais tous les tuer au moins comme ça. C'est sûr d'avoir toute la laine qu'il faut. Parce qu'il en faut 3, mais je sais pas si on peut prendre 3 d'une différente couleur. Alors, est-ce qu'il va bientôt faire nuit? À mon avis, ouais, parce que le soleil il doit se pousser sûrement vers ce côté-là. Ah, du charbon là-bas. Oh, je vais en prendre 2. Donc,
pas manger la viande crue. C'est mauvais pour le corps. Non, c'est pas ça, c'est que c'est chiant parce que quand c'est cuit, ça a tout, parce que tous tes cœurs remontent. Et quand c'est pas cuit, ça fait même pas de cœur. C'est un peu pourri. Voilà. Et voilà. La bête au milieu d'une frappe qui arrive. Et le soleil qui commence à se coucher. Alors c'est vrai que ça fixe là-bas. Du sable, c'est super bleu. Je m'en sers. Voilà, bon c'est un peu moche, hein, je vous dis, hein, c'est pas du tout décoré. Je peux me faire. Ah non. Un four. Un four, c'est comme ça. Alors, je le mets ici, je le mets n'importe où, de toute façon c'est assez dur. Et je vais me faire cuire. Non, je vais me faire cuire de la nourriture alors, parce que là franchement, j'ai crevé de faim. Je vais me faire un lit aussi. Laine blanche. Ah bah j'avais beaucoup de laine blanche par contre. Ouais, comme ça. Et j'ai oublié de faire du jus. Là c'est pour faire un lit. Comme ça en même temps vous allez savoir comment faire. Comme ça. Et comme ça. C'est simple. Voilà. Je suis venu. Ouais, je suis venu, mais par contre j'ai envie de faire du vitre avant. Moi je me fais toujours un stock de vêtements, comme ça au moins si j'en perds un j'en ai toujours un autre de rechange, donc j'attends d'en avoir beaucoup. Ah merde. Ouais. Ça se pourrait dormir tranquillement parce que s'il y a un squelette là il peut tirer d'ici puis je meurs. Enfin voilà, ça va me réveiller cette nuit, je vais avoir peur et tout reste. Enfin, voilà. Mon perso va avoir peur, il va se réveiller. Bon, je vais prendre celui-là, je le pose là. Voilà. Et merde. Alors on peut mettre tout ce qui est en bois, on peut le mettre, et le charbon aussi. J'ai une épée complètement foutue. Des araignées qui sont là, je sais où j'ai eu. Ok, elle se prend l'arbre. Youhou, j'ai eu. Avec une épée en bois. C'est la première fois que j'en tue une sans me faire toucher. Ah, une vache qui est là-bas. J'essaie de me voir. Est-ce que j'ai fermé ma porte? Ouais. Et la vache qui est là. Ah, merde. Mais c'est que j'ai encore beaucoup de nourriture sur moi, dis donc. Je crois que j'avais tout mis. Ah oui, quand on a de la nourriture, on peut courir vite aussi. Il paraît qu'on saute plus haut. J'ai jamais essayé, mais... Voilà, maintenant je peux dormir tranquillement. Sur mes deux oreilles. Voilà. Je vais fabriquer une épée en pierre. La pierre, c'est pas ce qui manque. Alors, maintenant, il n'y a personne qui a l'air d'avoir... Ah, un squelette qui a pas sauté.
Putain, les vaches sont là-haut, je me demande ce qu'il fout là. Oh putain. Quand elles sont sous un arbre maintenant, elles prennent plus feu maintenant. Ça c'est un peu chiant parce que dans la version Xbox ils prennent feu par contre. Ça c'est assez pratique. Aïe, il a dû avoir beaucoup dessus. Oh non! Eh merde, j'ai couru de faim. Après, je vais vous montrer comment on fait une arc, ça c'est simple. Et bon, faut tuer des araignées par contre. Ceux qui n'aiment pas les araignées, ben désolé pour vous. Voilà. Ça va en faire 10, dans mon avis. Voilà, vous avez vu, ça en fait 4 quand même. Et voilà, et là ça m'en fait 5. On ne sait pas pourquoi, mystère total. Un coffre, c'est vrai, j'ai oublié de faire un coffre. Et j'aurais pas assez de bois pour en faire. Une ferinage par contre. Là. Et voilà. Je vais attendre que le dernier truc va cuire et je vais mettre encore du sable. Ouh, je vais mettre de la pierre. Vous allez savoir pourquoi. Vous savez, oui, vous allez savoir aussi pourquoi on peut cuire de la pierre. Moi, j'ai jamais su pourquoi, mais c'est après que j'ai compris. Enfin, c'est pas pour ceux qui savent pas. Hein. Je ne sais plus si là, par contre, on peut faire si on peut faire des arbres. Dans la version du box on peut, mais dans cette version là je sais pas. Là ils sont gros. Comme je vous dis, dans la version du box, moi bon elle est un peu dégueulasse, hein. Il y a pas de décor, il y a que dalle. Alors là maintenant je vais aller là. Je vais faire un autre coffre. Ah oui, c'est vrai que je peux pas le faire déborder. Ça marche comme ça. Voilà. Un coffre. Voilà, un coffre s'utilise beaucoup de bois hein, pour ce que ça s'utilise. Ouais, on peut. Alors, est-ce que ma pierre est finie? Ouais. Voilà, ça fait de la roche. Ça fait comme ça. C'est pratique pour faire des boutons, des conneries comme ça. Un détecteur de poids. Comme ça, les monstres, en fait, ils viennent pas dessus après. Comme ça, en bois, les monstres, ils peuvent aller dessus. Mais pas quand c'est en pierre. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait le test, mais en tout cas, j'utilise de la pierre, au moins, je suis sûr que c'est pratique. Alors, bâton, qu'est-ce que je voulais faire déjà? Cactus, ah ouais, c'est vrai, j'ai habillé un peu l'extérieur de la maison. Tant du sable parce que le cactus ne pousse que sur du sable. On va mettre un peu partout devant ce mois. Il n'y a pas beaucoup de creepers par contre. Ah mais ça marche même pas quand je vais planter. Non, putain, ça marche que sur la version du box. Ah bah si. Ouais, ok, je comprends pas trop. Ah, attends, je vais avoir compris. Voilà. On a vu parce qu'elle est trop proche du mur. Ça, c'est pour les monstres. Oh merde. Voilà. C'est pratique pour les monstres pour éviter qu'ils se. Même pour éviter qu'ils viennent devant sur vous, vous mettez ça, ils s'embrossent dessus. Pour les animaux, il y a le même système.
en plus sadique. Aïe. En fait, ils s'approchent de la lumière, les animaux. Et donc, faut trouver un système de... Il n'y a pas de cactus ici. Ça va faire avec les animaux. Bon, je vous lirai ça une autre fois. C'est bientôt la fin de la vidéo. Avant, déjà, j'ai envie de juste marquer en haut. Et tout à l'heure, ça m'énerve. Et en plus on n'a pas de nourriture quand on les tue. Alors. Il n'était pas de me faire tuer. Oh. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, voilà, les pierres je vais laisser là, j'en ai plus besoin. Les planches de bois, le cuir, les os. J'avais vu un chien tout à l'heure mais j'avais fini d'aller le chercher. Le steak. Je le mets là, je le fais cuire cette fois-ci qu'avec une bûche. Voilà. Maintenant je vais. Qu'est-ce que je veux. Ah ouais, j'ai un peu creusé ici. Dans la prochaine vidéo, ça sera plus approfondi pour la mine. Comme j'habite dans une montagne, de toute façon. Ah oui, avant, je vais simplement faire un petit bouton avant. Putain, j'ai si peu de temps que ça pour faire ça. Mais une deuxième bûche alors. Hein. Voilà, on aura une bûche pour chaque truc. Voilà. Heureusement, j'ai pris une deuxième bûche alors. Hein. Non, j'aurai pas le temps. Alors, de la laine blanche, c'est fait. Oh, du charbon, j'avais pas vu que j'en avais là. Eh bien, dis donc. On n'a pas qu'un peu ici. Eh ben putain. Je vais pas me vanter mais je suis tombé dans une bonne maison. Hein. Donc là déjà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y en a peut-être dessous, on sait jamais. Déjà j'en ai 9. Le charbon c'est pratique pour faire plein de trucs. On n'est pas obligé d'en avoir, hein, mais on peut utiliser du bois aussi, hein, c'est l'équivalent du bois. Mais bon, c'est toujours bien de... Par exemple, avec le charbon, on peut pas faire de torches. On peut pas faire de torches sans charbon. Alors, je veux savoir un truc avant. Est-ce que je peux faire du charbon de bois? Ah, du charbon de bois, c'est super. Je vais vous montrer. Je vais venir, qu'est-ce que c'est du charbon de bois? Je vais vous expliquer, j'ai appris ça, qu'il y avait ça sur Xbox. Voilà, du charbon de bois. C'est exactement le même, mais c'est pas le même. Et ça, c'est pratique pour faire des torches. Regardez, charbon de bois. Hop. Et une torche de charbon de bois. Donc, le charbon peut aussi remplacer ça. Sauf que la torche du charbon de bois, je crois qu'elle éclaire moins, une connerie comme ça. Mais... Sinon, en fait, le charbon peut être facilement remplacé. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir du charbon aussi sur nous. Des trucs qui pratiquent avec le charbon, c'est que déjà, il gaspille pas du bois pour rien. Tiens, c'est bien. Ah oui, c'est vrai que mon perso, je l'ai pas. Je joue en hors ligne. Donc c'est un peu normal. Par contre, là, je vais simplement creuser un peu mon plafond. Parce que je n'aime pas pouvoir pas sauter dans. Enfin, je n'aime pas ne pas pouvoir sauter dans ma maison.
Ah, mais c'est qu'il fait nuit, j'avais pas vu. Je suis en habitant dans une montagne, j'ai plus de chances de trouver de l'argent et de faire de l'exploration. Moi, je suis pas trop exploration. Moi. Voilà. Bon bah comme là je tout à l'heure j'avais dit c'est bientôt la fin de la vidéo. Donc on se quitte sur un beau soleil couchant. Il est beau d'ailleurs. Bon maintenant ça il est plus le soleil couchant. Dommage. Donc voilà, donc ceux qui veulent faire des commentaires sur ma vidéo, j'y réponds très sincèrement. J'aime bien recevoir des commentaires. Pour ceux qui disent le micro que j'ai, c'est vrai qu'il est un peu pourri. Bon, normal, il est très vieux. C'est un micro Auditech, donc c'est pas des petits micros, hein, il fait pas un mètre de long, mais voilà, il doit au moins faire, allez, disons 25 cm. Donc voilà, il est pas léger en plus. Donc des fois il couine de temps en temps et des fois j'ai le son qui bug, donc franchement je joue avec de la, pas de la merde hein, parce que ouais, c'est le son est assez bon, mais bon voilà, il y a mieux. Donc voilà, je vous quitte sur la nuit maintenant. Bon allez, à plus les gens et à bientôt pour l'épisode 2. Allez, à plus.